Music Box. Déjà, il faut que tu m'expliques d'où vient ce nom. Nous-mêmes, en fait, en gros, on en profite pour faire un peu de pub pour le Mano à Mano. Place Saint-Boniface à XL, cette jolie place avec un gros plan sur ses lèvres qui fascine à peu près tout le monde. C'est avec ça que ton clip commence, hein. Effectivement, c'est vrai. Et tu joues de tes lèvres. En fait, tu sais que c'est ce que les hommes préfèrent chez toi en général. J'ai l'air d'être un peu naïve, mais j'avais pas du tout pensé à tout ça. Non, attends, je suis désolé, mais tu regardes le début du clip. Oui, mais... Il faut être anormal pour ne pas penser à quelque chose, tu vois, d'explicite. Disons que moi, je voulais juste ajouter une petite note un peu souriante. Et sensuelle, quand même. Allez, un peu sensualité. C'est de la fausse naïveté ou c'est de la vraie naïveté? Non, c'est de la vraie finalement, mais c'est vrai que c'est pas mal de commentaires que je reçois là sur le clip. Ça me surprend assez, c'est assez marrant en fait. Je discutais avec Mademoiselle Luna il y a deux jours, on mangeait ensemble, elle me disait, j'ai reçu un comment pas très sympa et dédiqué qui mangeait avec nous, disait, moi j'ai supprimé les comments sur YouTube parce que c'est souvent des jaloux aigris qui viennent te critiquer sous des pseudos. Oui. Est-ce que toi aussi, si un jour tu as des comments un peu déplacés et déplaisants, tu pourrais envisager de supprimer l'option « je commente mes vidéos » Là, pour le moment, j'ai pas encore des tonnes de commentaires en ligne, ils sont très gentils pour ce que j'ai, mais je sais pas, moi je pense peut-être que... Enfin, je comprends Miss Luna, mais en même temps, moi j'aime bien que les gens s'expriment et ça m'intéresse pas de savoir ce qu'ils pensent. Ok. Alors, donc, Lumen Music Box, c'est un nom qui vient d'où? Lumen, en fait... C'est ton vrai prénom? Non, Lumen, c'est mon nom d'artiste. Est-ce qu'on peut savoir ton vrai prénom ou pas? Oui, mais il a pas beaucoup d'intérêt. Mais... On dit... Oh. Vas-y, dis-moi. Moi, j'aime bien qu'on m'appelle Lumen parce que c'est comme une renaissance pour moi, en fait. Moi, j'essaie de un peu, tu vois, montrer une autre facette de ta personnalité aux gens, donc... Dis-le nous une fois, on va le mettre de côté. Mais bah disons que ceux qui me connaissent le connaîtront. Mais il y a une signification à ce lumen, parce que lumen ça vient du latin. Ouais. Et ça veut dire lumière. Oui, bien sûr. Maintenant ça s'écrit un peu lumineuse. Différemment. Oui, tout à fait. Ça s'écrit différemment, mais je l'ai un peu customisé, on va dire. Parce que mon nom d'origine congolaise que j'avais eu, c'est Kiesa. Et Kiesa, ça veut dire lumière. Donc, voilà. Donc il y a une relation de cause à effet. Voilà, tout à fait, par rapport à mes origines, par rapport à mon vécu en... Donc congolaise. Congolaise. En Belgique depuis toujours ou arrivée? Non, je suis arrivée ici à 8 mois, mais bon, c'est quasiment pareil. D'accord. Une petite pause. Tu souris déjà? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que... Non. Moi j'ai une question. J'ai découvert ton clip, tu me l'as envoyé sur Facebook, j'adore ce track, j'adore ce morceau, je vais essayer de le faire connaître un maximum. Après, tu vois, mon pouvoir est limité. Tu sors d'où, en fait? Tu faisais quoi avant? C'est pas ton premier disque, ça? Si. C'est ton premier disque, en fait. Et donc, comment ça se fait que... Bon, tu n'as pas 18 ans. Moi, je trouve ça génial. Donc, tu décides quand même, après un certain temps, de te lancer dans le bain. Ça vient d'où? C'est venu comment? C'est quoi le projet, voilà? D'accord. Alors en gros, petit flashback, moi je suis issue d'une famille nombreuse, donc j'ai 6 frères et sœurs, j'ai une maman qui était très pragmatique, qui m'a dit ma fille, il faut que tu fasses des études si tu veux t'en sortir, et j'ai suivi ses conseils, donc j'ai fait des études, j'ai étudié à l'ICHEC, donc j'ai une licence en sciences commerciales, et j'ai commencé à bosser dans les achats, donc dans le commercial, mais toujours en ayant la musique en moi, en chantant « Quelles sont les oreilles de mes parents » tout le temps, mais en n'ayant jamais pris de cours. T'as jamais pensé à faire des castings Star Rack, Nouvelle Star? Non, parce que je suis pas du tout télévision. Moi qui avais une fan. Non, mais je vois trop Christophe Willem se pavaner devant toi en disant que t'es fabuleuse, que t'es géniale et te pousser à fond. Tu participes au projet Airspray, qui est une comédie musicale. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait, c'est une comédie musicale. Moi je l'avais vu au cinéma, c'était avec John Travolta, on est d'accord? Oui, effectivement. C'est un peu un Grease, un sous-Grease, je pense. Mais c'est pas tout à fait pareil en fait. Je dirais que Grease est vachement plus gentil dans le message. Ouais. Parce que Grease, finalement, c'est juste une histoire d'amour. Esprit, le message, c'est quoi? Alors, Esprit, c'est un message pour la tolérance, finalement. Pour la tolérance black-blanc, et puis aussi pour la tolérance par rapport aux gens qui sont différents, qui sont plutôt gros. Un message sur la différence. Ouais. Soyez tolérants envers ceux qui sont différents. Et voilà, tout à fait. Un beau message, quoi.
Et tu, quel est ton rôle dans la comédie? Alors moi, dans la comédie, je sais pas si tu as vu le film, mais je joue le rôle d'une Dynamax. C'est un peu aussi les Suprêmes. Ouais. Et donc j'ai le rôle de Shaina, donc une des dynamites en fait. Ouais. Et, ça te plaît? C'est beaucoup du chant, oui, c'est très chouette. Toujours en tournée en ce moment ou pas? Là, on n'a pas encore commencé. Là, on est en répétition. On est en... Il faudra que tu me donnes les dates, je les mettrai. Donc les dates, c'est quoi? Alors c'est le 15-17 décembre. Beaux-Arts à Charleroi. Génial, on va promouvoir ça aussi. Et ensuite le 7-8-9 janvier au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Tu m'enverras ça, on mettra ça. Alors, tu peux me faire un petit kiff, la cape, comme ça, vraiment a cappella, upside down, vas-y. C'est magnifique. Écoute, bravo. Ça, c'est là que tu vois quand les gens sont doux ou pas. Franchement, t'as quelque chose. Franchement, t'as vraiment quelque chose. Ça me fait mal de savoir que tu fais ça un peu en amateur, en dilettante, sur le côté court. Alors, en fait, au niveau musique, je suis un peu au début, c'est certain. Moi, j'ai commencé à écrire en juin l'année dernière. J'avais jamais fait ça, je m'en pensais même pas capable. Donc, ça a été une révélation pour moi. En décembre, j'ai travaillé un peu avec un arrangeur, Boris Poteau, qui m'a aidé pour les musiques de certains morceaux. C'est assez sympa. Et puis surtout, j'ai découvert le Mac, GarageBand, Logic Express. Et ça m'a vachement permis de faire un saut au niveau de l'écriture et de la musique, de la compo des musiques de mes morceaux. Et en mars, là, j'ai lancé officiellement mon projet et j'ai débuté une tournée dans Bruxelles avec des musiciens professionnels, super motivés. Voilà. Alors, vrai fan de Madonna, n'est-ce pas? En effet, tu m'as dit. Influencé donc à mort, quoi. Oui, j'ai beaucoup grandi avec elle. Enfin, j'ai tous ses albums à la maison, c'est vrai. J'ai une question, pourquoi Upside Down? Je veux pas faire dans la caricature, mais en général, les Africains d'Europe, les Belges d'origine africaine, sont plus portés sur le R&B que sur l'électro. Pourquoi t'as fait un électro? Ce qui est génial, hein. J'ai senti mon feeling du moment et j'avais envie que ce titre soit plutôt électro. Donc, parce que c'est même pas dance, c'est vraiment électro. Oui, mais en même temps, si t'écoutes la musique sans voir la personne, est-ce que tu te dirais que c'est une Africaine qui le chante? 7 octobre 2011, oui. Les rêves et les projets de Lumen. Merde, du coup, j'aille vite. Un disque, pourquoi pas? Un album, oui. Donc si un jour il y a un album qui porte ton nom, ce qui est vraiment un rêve réalisable, tu auras bouclé la boucle déjà? Dressed up in quick makeup, my kids and get the door shut.